Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Paladin et on va continuer à jouer la petite Furia. Je vous avais proposé une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ce champion. Je vous en propose une nouvelle avec la petite Furia, parce que j'essaie d'apprendre à la contrôler correctement. Voilà, il y a encore du boulot. On a double tank, Khan et Barrick. En face, ils auront un Khan aussi, mais solo tank, d'accord. Donc intéressant. Et après, nous, on a un flanqueur avec la petite Miv démonette et une Cassie. En face, ils font faire beaucoup de dégâts. Cassie aussi, c'est marrant. Mais ils ont Strix, le sniper, va falloir faire gaffe à ça. Vu qu'on va être seul healer avec deux tanks, je propose de prendre âme ravivée, redonne jusqu'à 50% de PV supplémentaire. J'aime bien cette carte. Et puis voilà, je me suis fait mon petit deck, hein, voilà, pour pouvoir mettre à chaque fois hop, un shield à nos équipiers, ce qui peut faire hein, le taf. On verra. Alors, notre heal il revient toutes les 3 secondes. Est-ce qu'il y a besoin de plus, pas plus que ça. Havre pourrait être fort, hein, pour tenir vraiment. Je suis tenté de prendre Havre pour pas tomber très vite. Havre counter. 4 dégâts sur 5, il n'y a que les dégâts de la petite. C'est vrai qu'elle est jolie en plus de dos, Furia. Allez, on va essayer. Ah, mais la Cassie n'est pas là. La Cassie va arriver plus tard, on espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. On va se remettre à la vie à la première personne. Oh le, mais c'est nous qui prenons le kill. Sur la. Attention. Ouais. On a eu des morts là, hein. J'ai pas eu le temps de mettre du. Oh, je recharge à ce moment là, je suis un peu deg. Ah, je m'occupe de taper ce bouclier de l'adversaire. Allez, allez, allez. J'utilise pas assez mon. Voilà. Moi je tiens mes tanks, j'avoue que. Problème. J'ai pas assez regardé mes dégâts et erreur elle est là. L'erreur elle est là, j'ai pas regardé assez mes dégâts, je me suis occupé des tanks. Il faut attendre là. Faut pas croire que tu vas faire du. Faut jouer ensemble. S'attendre si on peut. Arriver à lui mettre le heal, ça c'est plutôt cool. Mais on. Enemy rampage. Ouais, ça tombe, ça tombe. C'est notre dégât là qui. Ouais. On s'y flingue. Je pense qu'on a un souci de dégâts. Je veux pas m'alarmer, mais je vois nos dégâts tomber beaucoup. Très mauvais. Alors là, le pauvre, regardez notre canne, il est un peu tout seul. On va perdre le premier point. Je crois que nos dégâts. Oh, on est allé sur le point avec le barrique. Et on est allé. Là, ça va être compliqué là par contre. Mais on y est allé. C'était plutôt cool, on y allait avec le barrique et on a réussi à être sur l'objectif, à taper un objectif qui peut avoir de l'importance. On prend le premier point, bon, on mène 1-0, on est content pour ça. Maintenant, il va falloir. Mais va falloir que je regarde un peu plus nos healers, mais le truc c'est qu'il faut qu'il. Oh, oh là. Oh. Je vois rien. On est mort. Hein, là, ça... Oh, mais ça dure tellement longtemps. Ce truc. On va voir un peu les moves qu'on avait. On voyait rien du tout. On avait aucun move. On avait aucun move. Allez, c'est pas grave. Elle est jolie avec ses ailes là. Là je peux pas atteindre pour le heal. Là on va avoir un souci. De mes décans. Ça, je comprends pas ce qu'il faisait quand moi j'ai voulu aller l'aider mais. Alors on peut partir sur cautériser.
C'est vrai qu'il faut aller sur l'objectif, non. Ça intéresse pas trop les gens d'aller sur l'objectif, je crois. Étonnant. On est, ça y est. Notre caniva. On est là pour le soutenir, hein, si... Regardez, si on avait été suivi, là, le clan adverse, il était tombé. Allez, bon, je suis loin là, regardez-nous, PV. Je la sens pas très bien, ce game. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Tout à l'heure... On a ramené le point un peu avec chance, hein. On va pas se le cacher. On la stun. On est sur le point, les gars. J'ai pas envie de mettre l'ulti parce que de toute façon, en fait, on va pas réussir à push. Donc. On va attendre d'avoir 900 pour avoir Avror en max. Et Avror en max, ça nous fera vraiment tanker bien. 4,5 sur 5, ce qui peut faire le taf. Hein. Bon, il y aura la série, ce qui nous fera toujours très mal. On lui met le shield pendant qu'il est... Oh mais non! Ils sont pas allés sur... Oh là là. Oh les boules. C'est pas grave. C'était marrant. Comment on peut voir? J'essaie de l'avoir de face. Ah, elle tourne vite. Ah. Mais ouais, elle est assez jolie. Elle est assez sympa, il est assez sympa son design. Ses ailes sont assez jolies. Son escape. Et puis elle heal pas mal, hein. Je pense que j'arrive à heal. Enfin, après, là c'est la qualité du healer, c'est moi qui suis pas très bon. Je pense que j'heal pas assez mes équipiers en dégâts. Voilà. Ça c'est un autre problème. C'est moi le problème, pas le perso là. Alors là je vais aller avec les tanks. Le truc c'est que. Ils veulent pas aller sur le point. On a fait ce qu'on pouvait. Mais... C'est de pas le laisser respirer. Ah, un autre canne qui tombe. Malheureusement, voilà, je suis allé. C'était très bizarre, on s'est séparés et évidemment qu'on le paie, on le paie. Pourquoi on est parti 3 à droite et 2 à gauche? Pourquoi ils ont voulu partir les tanks d'un côté, les dégâts de l'autre? Je sais pas. J'ai pas compris le principe de faire ça. C'est le côté un peu rageant, hein, quand t'es healer, hein, tu le fais avec. Mais tombez le bouclier, les gars. Ouais, mais ça, c'est nos dégâts. Regardez, ils sont morts encore une fois. Les deux dégâts. Ouais, moi j'ai du mal à t'accompagner là. On va lui mettre le heal, il va le balancer loin. Voilà. Il l'a pas tué? Si. Alors là je pense vraiment que c'est nos dégâts qui ont qui font pas de dégâts. Parce que bon, nos tanks ils vont sur le point, bon, sauf à un moment où on perd le point, enfin on n'arrive pas à les push. Mais je pense qu'ils font leur taf. Voilà, notre flanqueur qui tombe encore. Khan vient par là. Il y a leur sniper là, les gars. Il y a leur sniper et il y a notre flanqueur qui est encore mort. On a un souci, les gars. Ouais, j'ai pas eu le temps de lui mettre le heal, mais voilà, ça va, on tombe quand même.
aussi. Quand ils sont solo tank, quand on leur tombe leur tank, ils sont dans la merdouille, mais... Alors est-ce que c'est à nous d'aller chercher le Strix là? Pas vraiment, hein, normalement. Oh là là, mon tank, mon heal, vous avez vu, ça l'a pas heal. Ouais, on l'a heal, mais ils vont réussir à le tomber. On va tomber. C'est dur comme game, c'est dur comme game parce que j'essaie d'envoyer tout le heal que je peux, mais... Eux, ils ont des cautérisés qui sont efficaces. Pas que je tombe. Allez, allez. Oh là là. Allez, allez les gars. Voilà. Rien à faire. Bon, j'aime pas du tout critiquer les équipiers, mais là nos dégâts, nos perso dégâts, la mid et la Cassie, mais ils sont à l'ouest. À l'ouest et là les tanks et le healer ils peuvent essayer ce qu'ils veulent hein, mais quand tes équipiers dégâts ne font pas de dégâts hein, c'est compliqué. Sur quoi on part? Sur cautériser, essayer d'empêcher le heal hein, je pense essayer de les empêcher de se heal, mais elle a un cautérisé rang 3, c'est elle arrive à appliquer le cautérisé à 90% de heal enlevé, voilà. Forcément ça te casse tout. J'utilise pas assez mon A, vraiment pas assez. Je le trouve pas très fort ce sort, donc je l'utilise pas trop. C'est vrai que j'utilise mon auto-attaque et mon clic droit pour heal. Et voilà, c'est comme ça. Il y a la Mif qui se plaint, j'ai hâte de voir quand même les dégâts qu'elle fait en tant que perso. Perso là pour faire les dégâts. Elle arrive à insulter ses équipiers. Derrière nous, il y a un certain... Allez Cassie, je crois en toi. Bien joué. Par contre, il faut aller sur le bois maintenant. Voilà. Allez les gars, allez sur le bois. Allez là-bas, j'essaie de caper l'objectif et deux heals. Mince la mif, j'arrive pas à l'atteindre. Ah vrai, ouais, comme je vous dis souvent, hein, qu'on perd ou qu'on gagne. L'important c'est de s'amuser. On se met derrière le shield du Khan. Allez les gars, on y croit. Et on prend des kills et on va aller revenir à 3-2. Malheureusement notre barrique, hop, oh, on l'a vu la petite casse, si vous l'avez. Là je bougeais un peu au hasard hein, j'avais été mis une petite tête. Coucou le Cassie, tu l'as pas vu? On l'a mis tellement haut. Si c'est bon, elle l'a fini. Allez. C'est bien. Oh joli la. Vas-y. Ouais, bien. Je trouve que le combo, la double tank avec mon heal, ça se passe bien, c'est vraiment. Il manque juste. Peut-être quelques persos de dégâts qui fassent un peu plus le taf, mais je trouve que double tank on est pas mal là. On va partir sur cautérisé au rang 2, essayer de stopper toujours plus le heal qu'il pourrait se faire. Hein. Et on essaie de revenir. Oh, on l'a eu pendant qu'il était invisible, vous avez vu? Ça c'était assez sympathique quand même. Oh, bon kill.
On est content là. Ouais, t'avais même pas besoin de la... Bon. Ah, là, ça va être compliqué. Alors, là, faut décider, est-ce que j'utilise l'ulti? On est bien là. Il utilise l'ulti, notre barrique, donc il veut aller chercher ce point. J'ai utilisé l'ulti pour revenir à 3-3 alors. Vous me direz, ah mais à cause de ça, t'as pas l'ulti. Et sur la balle de match de l'adversaire, ils ont moyen. On a utilisé l'ulti à barrique et notre ulti, est-ce qu'il y a d'autres ulti? On n'a aucune ulti. Aucun ulti, donc ça va être difficile le début du point. On va sans doute perdre le premier fight. Et là. Alors, sur quoi on part? On n'a pas assez pour prendre le côté risé au rang 3. Donc on peut partir sur. Je sais pas. Peut-être essayer de remonter plus vite. Bon. Agile, de la mobilité. Je sais pas trop quoi prendre en fait. Mais vraiment, je sais pas quoi prendre. Ben on va rien prendre. Et si on meurt, pour le. On aura peut-être gagné 150 gold et on pourra prendre le côté risé rang 3. On va sur nos tanks. On prévient. Il y a l'ulti de down. Oh là là, non, j'ai cru que le barrique s'était mis. Allez, faut aller sur le point maintenant les gars. J'essaie de... Le Barry qui se met, c'est bon, on a réussi. Oh, il y a mis l'ulti. Il y a mis l'ulti. Attention. Oh là 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 là, j'ai eu le temps de mettre le heal sur le Barry, mais on tombe malheureusement. On aura pas assez. Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Oui. Allez, vite. Côté risé, vite. On a Khan qui est tombé. Amiv qui tombe. Une énième fois, le barrique, je peux pas l'atteindre de là. Si, j'ai pu l'atteindre. Ouais, on va retomber là, nous aussi. Ah, j'ai voulu le mettre sur la Cassie. On lui a mis le heal. Juste atteint la Cassie. Ça, c'était plutôt cool. J'aimerais bien toucher le barrique pour le heal. Oh, j'ai raté le heal, j'ai raté le heal. Allez, tiens le coup. Oh, on met un heal juste à... Là, ça va être compliqué. Victory. Mais je pense que les deux tanks, ils ont vraiment fait bien le taf. Je pense qu'on a bien heal. La game était plutôt cool. Alors, on va voir, c'est le move de la game. C'est pour l'Androxus. On a été mené 3-1. Franchement, on n'était plus les favoris à ce moment-là. Mais on s'est pas désunis malgré les insultes de la MIF sur toute l'équipe. Elle disait toute l'équipe c'était des. On était tous des. Le mieux c'est d'ignorer ça. Concentrez-vous sur votre game. Voilà. Mais c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Voilà, il faut que j'apprenne à jouer. Hein. Je l'ai à peine. Au Furia, je l'ai rang 4. Hein, donc je l'ai vraiment pas joué beaucoup. Mais c'était plutôt cool. Fait du 9, 12, 16, 92 000 de soins, mais 15 000 aussi de prod, donc 15 000 de boucliers, c'est pas mal, hein. 15 000 de boucliers, franchement, ça fait, c'est plutôt cool. On a fait 71 000 dégâts, ben regardons, voilà, on va comparer les stats avec la série adverse, hein. Donc c'est deux persos quand même assez différents. Pascal, elle est obligée d'arrêter de heal quand elle veut faire des dégâts, et inversement, nous, on peut quasiment continuer. Donc on a 5000 dégâts de plus que elle, c'est pas grand chose. Elle a 2002 hits de plus que nous, c'est pas grand chose. Par contre les 15900 de bouclier, je reste persuadé qu'ils ont été très forts. Parce qu'en fait le bouclier il n'est pas contré par le côté risé. Et donc ça fait son effet ça. 15000 de prot, c'est beaucoup. C'est plutôt cool. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, la Mive qui a insulté. Regardez. Voilà, voilà. Le pire, c'est que c'est souvent ça. Qui était le maillon faible de notre équipe? C'est la personne qui a insulté dans le chat. Quoi. Tu sais, hein, regardez, team, c'est des insultes hein, quand il y a les petits trucs qu'on a. Elle a le moins de dégâts de l'équipe, alors que c'est le perso dégâts. C'est un des persos dégâts hein, avec la...
Voilà. Notre barrique a fait un taf fou, quoi. 99 000 de dégâts. Voilà. Elle fait du 9-17-6. Elle est dans à peine donc 15 kills de l'équipe. 9 kills et 6 assists, ça fait pas beaucoup à elle d'être 15 kills. Regardez. Elle est dans 9 et 16. Moi, je suis dans 9 et 16. Lui, il est dans 14 et 15. 8 et 20. Elle est dans 9 et 6. Et elle est morte 10 fois. 17 fois. Et elle fait que 54 000 de dégâts. Remets-toi en cause avant d'insulter ton équipe. J'espère, je sais que ceux qui me regardent, ma communauté, vous n'êtes pas de ce genre-là, mais voilà, ça c'est typiquement le genre de personne. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est toujours plus facile de dire t'es nul et d'insulter dans le chat. Toujours plus facile. Mais je sentais, je l'avais dit dans la game, je sentais, c'était pas du tout la Cassie, c'était la Miv qui était en vraie difficulté, parce que pour se retrouver à 54 000 dégâts avec le flanqueur, ben, le flanqueur adverse, il était à 110 000. Vous voyez le truc. Il était bon le Androx sur adverse, hein, faut reconnaître. Mais c'était plutôt cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, on essaie d'apprendre à jouer Furia qui est forte. Ce principe de heal et shield en même temps, bah, c'est fort. Hein. C'est fort parce qu'on peut pas te counter complètement avec le cautérisé. Donc ça peut faire la diff des fois. Et... voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous ait plu. Nous on se retrouve pour d'autres games, d'autres vidéos. Bye bye.